Un apprenti Gbaka a poignardé son chauffeur à mort. Il a été bastonné à son tour par les témoins du meurtre. Les faits se sont déroulés mercredi 17 mai aux environs de 16h au niveau du carrefour des Deux Plateaux dans la commune d'Adjamé. Maintenant, il était en discussion avec les passagers. Il a refusé automatiquement de donner la monnaie des passagers. Et le chauffeur lui a fait des reproches. Il faut donner la monnaie des gens. Il a refusé de donner monnaie des gens. C'est là le chauffeur lui a dit, si c'est comme ça, tu vas te comporter, donne mon argent, moi je vais partir. Maintenant, il a pris tout l'argent, il a remis au conducteur. Quand le conducteur a donné d'eau maintenant, il avait un couteau qui était sur lui. Bon, il a poignardé le conducteur dans son cou. Donc voilà un peu où le conducteur a trouvé la mort. Le président de l'Union des transporteurs d'Abobo estime que l'apprenti était en état d'ivresse. Il dénonce la consommation de boissons frélatées par les jeunes des gares routières. Dombia Mori invite les autorités compétentes à se saisir du dossier. Je voulais lancer un appel à notre autorité compétente de prendre un peu les responsabilités concernant aux boissons frélatées. Parce que l'incident qui s'est produit ce soir à Djamé au carrefour des Deux Plateaux, vraiment, il faut être en état d'ivresse pour pouvoir poser ce genre d'action. Donc vraiment, on dit à notre autorité de prendre un peu les responsabilités par rapport à la vente des poissons frélatés sur notre gare. Le responsable du forfait se trouve présentement aux mains de la police.